Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Barça, Barça, Barça. 25e journée de la Liga, ce samedi 17 février 2024. Le FC Barcelone se déplace au Celta Vigo, équipe du bas de tableau, et qui lutte pour son maintien. Donc encore un match compliqué à venir pour les Catalans. Le match va être animé avec une domination catalane et de belles occasions, mais également avec un Celta Vigo qui ne se laisse pas faire et se procure des situations dangereuses. Jusqu'au moment où, à la 45e minute, Lamal lance le canonnier polonais dans la profondeur. Lewandowski récupère le ballon à la limite de la surface. Petit crochet à droite pour éviter le défenseur du Celta et s'ouvrir l'angle de tir. Et du droit, il décoche une bombe surpuissante à mi-hauteur qui ne laisse aucune chance au gardien du Celta Vigo, impuissant, qui regarde le ballon s'engouffrer dans ses cages. 1-0 pour le FC Barcelone, juste avant la mi-temps. Mais ce ne sera pas le score à la pause. À peine une minute plus tard, à la 47e minute, après deux passes en talonnade coup sur coup de ses coéquipiers, Aspas, l'attaquant du Celta, du plat du pied, égalise. Un peu aidé contre son gré par Koundé, qui dévie un peu le ballon, ce qui trompe Ter Stegen. Un partout à la pause, tout est à refaire pour les hommes de Xavi. La seconde période va baisser d'intensité en dépit d'une domination des Blaugrana et il va falloir attendre la 95e minute avec un pénalty pour les Catalans. Lewandowski se présente, fait sa petite feinte habituelle, il coupe son élan et tire, mais le gardien de Vigo avait dû bosser à la vidéo et il bloque le tir du Polonais qui n'en revient pas. Mais le pénalty sera à retirer. Merci monsieur l'arbitre. Nouvelle chance pour l'avant-centre du Barça qui cette fois s'arrête deux fois pour enfin mettre le ballon au fond des filets. 2-1 pour les hommes de Xavi qui ont eu chaud. Victoire à l'arraché qui fait du bien au classement puisque le FC Barcelone revient sur le podium à la troisième place de la Liga devant l'Atlético Madrid. Prochain match à Naples pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions mercredi 21 février. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.